Salut à tous, bienvenue. Divorcer en Israël, un thème qui malheureusement intéresse beaucoup de monde et il faut bien y répondre. Donc on a le plaisir d'accueillir Maître Benjamin Hadjedj, avocat en Israël depuis quelques années. Il professe à Ashdod et à Natania. Il a même un site internet avocat-enisrael.com, comme ça les présentations sont faites. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ouais. Alors, vous êtes spécialiste dans le droit de la famille, on peut dire ça comme ça. Donc, vous vous occupez de divorce, de succession et bien d'autres choses encore, d'immobilier, j'imagine, comme tout le monde un peu. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment expliquer des choses simples à ceux qui nous écoutent et qui ont des gros problèmes familiaux, qui décident donc de rompre leur lien et de divorcer. Alors, en Israël, on a besoin de savoir, parce qu'on nous dit souvent qu'on a le choix quand on doit demander le divorce. D'abord, comment on fait tout simplement pour demander le divorce ? Parce que parfois, on est un peu paumé quand on ne parle pas vraiment l'hébreu, quand on ne connaît pas exactement le système. On fait comment ? On va commencer par la question la plus basique. Voilà. Alors, d'abord, la solution la plus judicieuse, à mon sens, c'est d'abord de se diriger vers un avocat, vers quelqu'un qui en a fait sa profession. Dire d'abord, aller prendre conseil chez un avocat ? Non. Comment on fait au début quand on est sur les starting blocks, on ne sait pas comment faire. Alors justement, ça dépend de la relation qu'on entretient avec son conjoint. Selon que la relation entre les deux conjoints soit plus ou moins bonne, alors à ce moment-là, on va forcément prendre une décision qui va être stratégique dans une démarche de conciliation, essayer de faire les choses à l'amiable, se diriger vers un avocat d'abord pour essayer de rédiger un esquem girushin. Donc un accord de divorce, en gros un divorce à l'amiable, dans lequel on va justement fixer toutes les conditions. C'est ce qui serait le mieux, c'est ce qui serait le moins onéreux. Donc ça veut dire un seul avocat, on va ensemble tous les deux chez l'avocat, on se met d'accord sur le partage des biens. Ça, ce serait la solution idéale. Voilà. Et ça se passe rapidement, ça coûte pas trop cher, c'est ça? Ça coûte beaucoup moins cher, ça se passe rapidement, on passe pas au tribunal et c'est surtout moins préjudiciable pour l'ensemble de la famille, à mon sens. Pour les enfants. Et pour les enfants, et puis pour toutes les conséquences qui pourraient en découler. Donc, à mon sens, ce serait la meilleure des solutions. Après, on peut toujours faire un divorce à l'amiable en passant par deux avocats. C'est-à-dire qu'on est quand même dans l'idée de faire un contrat qui va régler donc toutes les questions. Cependant, chacun, pour défendre ses intérêts, de peur qu'il y ait conflit d'intérêts, prendra son avocat pour examiner bien si le contrat reflète bien la volonté des parties et s'il respecte bien les intérêts communs. D'accord. Alors, mais au début, il vaut mieux quand même, avant, même si on décide de faire un accord à l'amiable et de ne pas aller au tribunal et de prendre un seul avocat, il vaut mieux aller peut-être prendre conseil, voir, sans rien dire. Alors c'est encore une fois, c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même question de base, c'est savoir quelle est la relation qui existe entre les deux. Parce que bien souvent, on part d'une démarche à l'amiable, mais dès lors que l'un est au courant que l'autre est parti voir un avocat sans le lui dire, alors ça peut engendrer des conflits. C'est pour ça qu'après, c'est un chicouzage que chacun doit prendre. Le mieux à faire, à mon avis, c'est d'être transparent dès le début de la démarche. C'est une situation qui est déjà assez compliquée comme ça, donc le mieux à faire, c'est vraiment de la vivre de la manière la plus paisible qu'il soit, quand bien même ce soit difficile. Essayez vraiment de faire en sorte que les choses se fassent de façon transparente. C'est la raison pour laquelle ce serait le mieux. Maintenant, si on voit que le conjoint en face est lui dans une démarche un peu plus conflictuelle, alors à ce moment-là, envisagez peut-être d'aller voir un avocat d'abord de son côté, prendre conseil pour essayer de voir quels sont les droits et quelles sont les obligations de chacune des parties. Et à ce moment-là, se protéger au mieux. D'accord. Bon, alors maintenant, on sait très bien qu'en Israël, il y a plusieurs juridictions et il y a comme ça des idées préconçues, peut-être à raison, peut-être à tort. Qui nous disent que quand on veut divorcer, le plus important en Israël, c'est de déposer sa demande devant une juridiction en premier. Alors, c'est vrai qu'en Israël, il y a cette règle comme quoi, en fait, la personne qui dépose en première la demande, de divorce, alors à ce moment-là, c'est elle qui va fixer la compétence pour l'ensemble du dossier. C'est-à-dire qu'il y a la demande du divorce en elle-même, qui est la demande donc juste de la séparation de corps et en même temps la séparation par la loi. Donc c'est la divorce de Girushin. Mais après, il y a plein de demandes autour, comme la pension alimentaire, la ktouba, comme la garde des enfants. L'exigence de se faire payer la ketouba pour la femme. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, il y a plein de demandes. C'est-à-dire qu'il y a la demande principale qui est le divorce, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres demandes. Et donc, la garde des enfants. Donc en fait, la personne qui a déposé en premier la demande va elle-même décider de l'institution juridictionnelle qui va pouvoir régler la suite des questions.
Et donc, en ce sens, c'est important parce que l'approche des différentes questions donc relatives à tout ce qui est pension alimentaire, tout ce qui est droit de garde, visite, etc., va dépendre de la juridiction, c'est ça, qui va statuer. Et différente selon les juridictions, c'est-à-dire que... Alors, je vous arrête, parce que vous me parlez de juridiction, mais si, par exemple, dans le cadre d'un accord à l'amiable, il n'y a pas besoin de ça, c'est ça qui n'est pas très clair. Alors, c'est ça, même dans le cadre d'un accord à l'amiable, de toute façon, quoi qu'il arrive, au final, ça ne changera rien, ça n'a aucune incidence. Si on décide de faire un divorce à l'amiable, au final, ça n'aura aucune espèce d'importance, quelle juridiction sera compétente pour juger, pour valider ce SQM-là, dans la mesure où, de toute façon, un SQM, c'est le contrat lui-même qui fixe les conditions relatives au divorce et à l'après-divorce. Et donc, en ce sens-là, que ce soit la juridiction religieuse, qu'est le Bet Din Arabani, ou que ce soit la juridiction civile, qu'est le Bet Mishpat Lianei Mishpacha, au final, les deux vont valider le SQM et les deux vont décider que les conditions qui ont été fixées entre les parties auront force obligatoire. Et donc, à aucun moment, le juge va intervenir pour essayer d'en changer les choses. Donc, vous avez lâché la grosse différence qui existe entre notre pays et le reste du monde, c'est que nous avons une juridiction religieuse, un tribunal, le Bet Din, ou une juridiction civile, et on peut choisir entre les deux quand on demande le divorce. Exactement. Alors en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, le Bet Din a la compétence exclusive pour statuer du divorce, parce qu'en Israël... Oui, pour donner le get. Voilà. D'accord. Elle a la compétence exclusive. Maintenant après, pour toutes les autres questions, il y a une dualité de compétences. C'est-à-dire que... Ça, c'est compliqué à comprendre. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre parfois. C'est-à-dire qu'en Israël, le Mahamad Ishi, le statut personnel, est régi par le statut religieux. Donc, c'est-à-dire que pour les juifs, ce sera le Bet Din Arabani. Pour les musulmans, ils auront également leur cour religieuse qui va être compétente pour statuer sur la question. Maintenant, nous, en tant que juifs... Pour les chrétiens aussi ? Pour les chrétiens aussi, incroyable. Exactement. Il y a une juridiction compétente spécifique pour chacune des religions. Et en l'occurrence, nous, ce qui nous touche le plus principalement, c'est le Bet Din Arabani. Et donc, il y a cette possibilité de, en dehors du guirou du guet en lui-même, qui vraiment relève de la compétence exclusive du Bet Din Arabani, pour toutes ces questions, d'aller voir les deux. Et comme je l'ai dit, que ce soit le tribunal civil, donc le Bet Mishpat Lianei Mishpacha, ou le Bet Din Arabani, les deux ont une approche qui est assez différente. Quant aux décisions qui pourront être prises par la suite. Et donc c'est ça justement qui convient à mon avis d'éclairer d'éclaircir. Justement, quels sont les avantages, on va dire, d'une juridiction et de l'autre juridiction? Qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Qu'est-ce qui est mieux quand on est un homme, quand on est une femme, quand on est religieux, exactement, quand on n'est pas religieux? Il y a comme ça une sorte d'idée reçue selon laquelle le Bet Din Arabani serait plus favorable aux hommes et selon laquelle le Bet Mishpat Lianei Mishpacha serait plus favorable aux femmes. Alors c'est vrai ou pas? C'est dans la globalité. Dites-nous la vérité. Alors c'est ça. Alors la question est plus compliquée que ça. Alors de manière générale, ça peut être vrai, mais il y a quand même pas mal de nuances qui font qu'au final, ça peut complètement inverser l'histoire. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a parfois, c'est assez surprenant, mais le Bet Din est du côté des femmes. Ça peut arriver. Non, justement. Ouais, c'est ça, ça peut arriver. Oui, exactement. Ça peut arriver que ce soit plus intéressant pour une femme. Alors que pendant longtemps, on a pensé que c'était avantageux. C'est ça, mais de manière générale, il est quand même vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tout le monde le dit, c'est qu'il y a quand même une part de vérité. Alors, c'est quand même un peu plus intéressant. Mais comme je l'ai dit, il y a plein d'exceptions et chaque cas est différent. En l'occurrence, le Bet Din Arabani, il a fixé quelque chose qui est assez simple. C'est que pour les enfants, de manière générale, pour chaque enfant, il fixe une règle à peu près. Ça, on commence à peu près à 1350 par enfant. Pour la pension alimentaire. Plus 30% du loyer. D'accord, ça c'est dans un cas normal. Après, comme je l'ai dit, il y a plein de cas. Après chaque cas, comme micré bégou, faut comment dire. Et dans le tribunal civil, qu'est-ce qui est dans le tribunal civil, alors il y a une approche réelle des choses, c'est-à-dire que le tribunal civil ne va pas cantonner ça à 1350 ou à 1500 par enfant. Il va dire ben non, en fait, on va voir quelles sont les dépenses réelles. Et donc là, il y a un vrai travail de l'avocat qui est beaucoup plus fort, à mon avis, que devant le tribunal religieux, où il faut vraiment sortir chaque cabalote, chaque reçu, essayer vraiment de tout rentrer. Et essayer vraiment de montrer un maximum... Pour avoir une photo de la réalité de cette famille, c'est ça ? Exactement. Vraiment tout prendre en compte pour essayer de maximiser les chances d'obtenir une pension qui soit plus élevée. Et donc, il y a une approche réelle. Mais ça, pendant tout ça, c'est que récemment, il y a à peu près un an et demi, dans le Bet Mishpat HaElyon, il y a une décision qui a été prise et qui, pour l'instant, n'est pas encore réellement appliquée par le Bet Din Arabani. On ne sait pas encore si ça s'applique ou pas. Mais en tout cas...
En tout cas, dans le Bet-Mishpat Elyon, ils ont décidé que de la même manière qu'on avait une approche réelle des frais de la famille, alors il faut également avoir une approche réelle de la situation familiale dans son ensemble. Il a décidé justement... C'est-à-dire ? Alors justement, il a décidé que dans certains cas, dès lors que les deux parents travaillaient, que la situation économique des deux était plus ou moins pareille et qu'il y avait une garde partagée, alors à ce moment-là, ben, le mari était totalement exempté du paiement des maisonnées. Mais je crois que ça marche pas très bien encore, cette affaire. Alors ça marche dans les juridictions civiles. Il y a encore une approche à faire, bien entendu. Chaque cas, il faut regarder vraiment si c'est... Oui, parce qu'il y a eu quand même des aberrations où des femmes se sont retrouvées à payer des c'est-à-dire qu'en fait, là, il n'y a pas de pension au mari. Là, c'est pas ce que le tribunal a dit. Là, ce que le tribunal a dit, c'est dès lors qu'il y a partage, dès lors qu'il y a une garde partagée, c'est-à-dire que les deux personnes, que ce soit le mère et la femme, assument les frais de manière générale. Les accueils chez eux, exactement, etc. Exactement, de la même manière, avec le même nombre de jours, et qu'en plus de ça, les deux personnes travaillent de la même manière et ont plus ou moins le même revenu, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison de payer les pensions alimentaires. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui se voit. Très souvent, on fait dans le cadre de SKM Girushin, lorsqu'on fait une garde partagée, eh ben, très souvent, les parties elles-mêmes prévoient parfois que chacune des parties contribue de façon égale au paiement des maisonnottes. Et donc, lorsque moi, je les ai, par exemple, à la semaine A, eh ben, je paye ce que j'ai à payer pendant cette semaine A. Et ouais, c'est vrai qu'on peut comprendre, puisque aujourd'hui, si on dit allez, un salaire de 10 000 shekels, on va dire, pour un papa qui se retrouve divorcé avec trois enfants, s'il doit verser 2 000 shekels par enfant, ça fait beaucoup d'argent. Il ne reste pas grand-chose pour vivre. Et on peut comprendre que... Et donc, moi, je comprends cette démarche-là. C'est difficile. Ouais. Et donc, cette démarche-là, elle commence même à s'appliquer au Beit HaDin HaRabbani à Gadol. Donc ça commence même dans les juridictions religieuses, ça commence à appliquer, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et la différence qu'il y a aussi majeure. Oui, il faut qu'on termine parce qu'on a besoin de savoir quelle juridiction il faut choisir. Alors c'est pour ça que je vous dis, même par rapport à ça, le Beit HaDin HaRabbani a parfois tendance aussi à entre guillemets à favoriser le mari dans la mesure où même les comportements religieux que ou même le comportement de la femme peut avoir une incidence sur le partage des biens. Par exemple, une femme qui a trompé son mari, elle va perdre droit à Ktouva, elle va perdre droit à ses maisonnottes, mais également même dans le partage des biens, parfois elle peut être pénalisée. Donc c'est pour ça également. Et le contraire, un mari qui a trompé sa femme, c'est moins interdit. C'est sûr que par exemple pour une vierge de Girushin, exactement. C'est pour ça que ça change énormément. Mais c'est vrai que quand même, on est quand même plus consignant avec le mari chez la Rabbanout. Alors vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Maintenant vous savez que notre public est aussi situé en France et puis nous avons beaucoup de nouveaux immigrants qui arrivent ou des gens qui sont là depuis quelques années. Est-ce que la double procédure, parce que parfois les couples se séparent, ils ne divorcent pas vraiment tout de suite, certains partent en France avec les enfants, d'autres, le mari ou la femme reste ici, continue de travailler, leur centre d'activité professionnelle est ici. Alors, est-ce qu'on peut faire une double procédure? Est-ce qu'on doit faire une double procédure? Une en France, une ici, quand on se sépare? Comment ça s'organise? Alors, de manière générale, lorsqu'une juridiction est saisie, qu'elle soit en France ou qu'elle soit en Israël, et que cette juridiction est compétente pour traiter de l'affaire, alors l'autre juridiction est tenue de sursoir à statuer jusqu'à la prise de la décision finale dans le pays dans lequel elle a commencé. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un entame une procédure de divorce en France et qu'ensuite elle vient en Israël... Même une conciliation, ça, même c'est une conciliation, c'est aussi considéré, d'accord. Dès lors que l'instance juridictionnelle est saisie, que ce soit même si c'est dans une démarche de conciliation, ça ne change rien. Dès lors que la juridiction est saisie, la juridiction parallèle est, elle, tenue de sursoir à statuer jusqu'à la prise de la décision finale. Ok. Maintenant, quand il y a des biens, là, on parle plutôt de domaine fiscal. Donc, on peut avoir, à cause des biens, une procédure dans les deux pays. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, à ce moment-là, je pense qu'à mon sens, la meilleure des solutions serait plutôt, pour toutes les questions fiscales, serait plutôt de se diriger vers un avocat fiscaliste en France ou alors un US Majesty ou un avocat. Parce qu'à ce moment-là, il y a des conventions fiscales qui s'appliquent entre les deux pays. Et puis, c'est vraiment un domaine à part. À mon sens, là, le mieux à faire serait de se rediriger vers un praticien du droit dans le pays concerné. D'accord, ok. Bon, j'imagine que aussi le lieu où les gens vivent ont son ça a une importance. Alors oui, alors ce qui fixe la compétence territoriale d'Israël, en fait, ce qui fixe la compétence juridictionnelle d'Israël, c'est... mais comme au Chavo, chez la Tam Mishpati. Voilà. Okay. C'est le dernier lieu de résidence du foyer. C'est ça qui va fixer la compétence
De... Donc, il faut faire attention parce qu'on peut partir en France avec ses enfants, mais si on a vécu. Non, alors c'est le dernier, moment, c'est le dernier lieu de résidence. Donc, mais comme au Chavois à Haron. D'accord. Donc, c'est le dernier lieu de résidence, justement, du ménage qui va fixer la compétence juridictionnelle du pays. C'est-à-dire et, que quand, si... et quand les conjoints sont séparés avant. Alors, non, justement, même s'ils se sont séparés, ça change rien. C'est le dernier lieu où ils étaient ensemble. Ensemble. Mais comme au Chavois, chez la famille, okay, partie. D'accord. Bon, ok. J'imagine que c'est, vous devez en voir défiler de toutes les couleurs. Dans votre cabinet. Comment on fait quand on divorce, qu'on n'a pas beaucoup de sous et que les couples ne se parlent pas? Quel est le rôle de l'avocat? Alors à ce moment-là, c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment à ce moment-là, l'avocat prendra une place de conciliateur. Si les deux parties n'arrivent pas à se parler, c'est vraiment important d'essayer de tout faire, comme je l'ai dit au début, de faire tout pour que les choses se passent à l'amiable, pour essayer vraiment de minimiser tous les risques, de minimiser les dégâts, parce qu'il y a plein d'enjeux, il y a des enjeux sentimentaux, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux familiaux. Donc c'est pour ça que vraiment la première chose à faire, c'est vraiment si on n'arrive pas à se parler, alors à la limite aller voir un conciliateur, aller voir même, il y a d'autres... Il y a d'autres types de conciliation, des rabbanim, des Yoetz Nesuin, il y a plein de choses, mais vraiment essayer de faire les choses pour que la communication puisse passer entre les deux parties, de manière vraiment à obtenir un résultat qui soit quand même assez... Ouais, puisque si, de toute façon, si on n'arrive pas à avoir ce fameux accord avant, il faudra alors faire une procédure, ouais, voilà. Et à la fin, on aura aussi un accord, mais sauf qu'on aura passé beaucoup de temps devant. C'est vraiment dommage. Ouais, et dépenser beaucoup d'argent, si ça coûte beaucoup très cher. Beaucoup d'argent, et en plus, on ne sait jamais ce que la décision pourra... Quelle sera la décision qui va en découler. C'est pour ça que c'est vraiment mieux d'essayer de faire les choses à l'amiable, à mon sens, et essayer de trouver un terrain d'entente. Ok, bon, alors si vous avez envie de poursuivre cette discussion avec Maître Benjamin Hadjedj, vous pouvez le contacter sur son site avocat-enisrael.com. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. À bientôt. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.